Donc là-bas, on s'apprête à partir et on a préparé beaucoup de choses parce que c'est quand même notre plus grosse navigation depuis le début du voyage. Donc par exemple, on a enlevé le moteur de l'annexe, on l'a mis dans une soute à côté du moteur. Là, il n'y a plus de moteur et on l'a mis dans une soute. Là, on a préparé les sacs de survie qui sont tous prêts à être là. En cas de besoin, on a préparé aussi les combinaisons de plongée, là-haut aussi, voilà. Et on a bien rangé, etc. Que faites-vous, monsieur Foucard? Là, je suis en train de charger la météo pour le dernier routage avant le départ du Cap Vert. Alors comment va l'équipage? Nous sommes à J plus 3, c'est ça? On est le troisième jour? Un peu moins vu qu'on est parti l'après-midi? Non, je suis à J3. On est quand même à J3 et on n'est pas arrivé. Donc là, ça va être dur. Ok. Et d'abord, je vais faire quelques récoltes. La tâche préférée de la maîtresse de bateau. Bon les garçons, troisième nuit, c'est à votre tour de prendre le cap. Petit briefing avant de sortir. Donc là il y a 35 nœuds de vent. On a besoin d'équipiers sur le pont pour aller à l'avant du bateau, affaler le génois, mettre le tourmentin. On compte sur vous. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti! Notre quatrième nuit, donc les troupes sont couchées et la mer est un peu plus calme. Donc, c'est maman qui fait le câlin ce soir en première. Ah. Bon, bah voilà. Alors là, je suis un gâteau aux pommes. Il n'y a pas grand chose, il y a 4 mètres 8. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a un bouton. Ouais. J'ai vérifié s'il n'y a rien aux alentours.
il y a la balustique. Nous débarquons en dinghy dans le port de pêche de Palmera. Puis, nous avons fait notre clairance d'entrée. Nous nous sommes baignés dans les marais salants. Donc voilà, on arrive à Caleta, à São Nicolau. C'est le bon matin. À Carical, nous avons fait une randonnée aux côtés de nos nouveaux amis Saint-Aigne. Nous quittons Carical pour nous rendre dans un autre mouillage, Carapal, à São Nicolau. Après l'école, nous avons fait des superbes randonnées avec nos amis Saint-Aime et Papy 3. Dans les fumées, c'est mort. Sur l'île déserte de Santa Lundia, nous avons profité de nos copains Saint-Emilmo. Nous nous sommes baignés, mais nous nous avons aussi travaillé. Ça y est, on arrive enfin à Nivelo après avoir quitté Saint-Emilmo. Joyeux anniversaire. Nous avons pris un ferry pour nous rendre sur l'île de Santo Antão. Pour arriver chez Sandro, qui habite dans la vallée de Paul, nous avons fait une magnifique randonnée dans des paysages extraordinaires. Nous avons découvert les cultures en terrasse. C'est la fête avec les bateaux copains, mais c'est aussi le ravitaillement. Bye bye les copains, on se retrouve de l'autre côté.